1960, 2018, ça fait 58 ans que la RD Congo, République démocratique du Congo, un pays indépendant. Mais après 58 ans de l'indépendance, qu'avons-nous fait de ces beaux pays que nos ancêtres nous ont laissés? Fidèles téléspectateurs, chers internautes, merci d'être connectés sur Canal Impact de Mac UVP pour suivre cette émission HDV 13 ans Poudi, une émission politique avec qui nous essayons de faire vous faire part des actualités politiques proprement dites de notre pays, la République démocratique du Congo. Je ne suis pas seul, je reçois pour vous un acteur politique, acteur social aussi, au nom de Monsieur Willy Tchinga. Monsieur Willy Tchinga, il est le secrétaire exécutif fédéral du parti MCR, Mouvement Social pour les Renouveaux, parti de la majorité, parti cher de notre président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange. Avec M. Willy Tchinga, on va essayer de parler sur sa fondation aussi, qui porte son nom, et sur l'actualité politique de notre pays. Nous savons tous que jusqu'à présent, ça bouge dans notre pays RD Congo. Je vous dis merci d'être branché et merci à Demac qui est derrière la caméra et c'est lui d'ailleurs qui réalise cette émission. Moi, votre humble serviteur. Monsieur Willy Tchinga, bonjour. Bonjour, monsieur Trésor Poudi. Ça fait un moment, monsieur Willy Tchinga, on ne s'est pas vu. Vous étiez en déplacement, vous étiez aux États-Unis, en République démocratique du Congo. Nous sommes ici en Suisse, toujours dans le cadre d'assurer certaines responsabilités qui vous occupaient au sein de votre parti MCR. D'entre-deux, comment va la santé des MCR? Oui, la santé de mon parti politique va à merveille. On est toujours active pour les élections à venir, le mois de décembre 2018. Et on s'attelle pour gagner, rafler tous les postes à tous les niveaux. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Une question comme ça, vous êtes prêt pour les élections? Oui, nous, ça fait longtemps, nous du MSR, avec notre secrétaire général, à la personne de M. François Robota, et les secrétaires général adjoint à la personne de Raphaël Rouhoulou. On est actif, on est sur terrain, on est prêt pour les élections. Et je vais aller trop loin pour dire, notre plateforme, la majorité présidentielle, c'est ce qu'on appelle AMP. Nous, on s'est attelé depuis longtemps, depuis vraiment longtemps, avant que tous les autres puissent nous rejoindre, parce qu'on parle même langage maintenant. Voilà. Parce que vous êtes prêt pour les élections, c'est déjà prévu au mois de décembre 2018. Mais lorsque vous voyez les manifestations, les marches qui convoquent le prêtre catholique pour boycotter ces élections, pour dire que voilà, ces élections, ce ne sont que des choses, des illusions, il n'y en aura pas, Kabila va partir, tout et tout. Quand vous voyez ça, vous dites quoi? Moi, j'ai lancé seulement l'appel à la population congolaise de ne pas suivre toutes les distractions. Vous appelez ça des distractions? Purement et simplement, je suis à l'aise quand je dis que c'est des distractions, parce que vous vous souviendrez qu'il n'y a pas une année que ça, tout le monde réclamait les élections au Congo. Et même les prélats catholiques. Vous connaissez l'organisation qu'on appelle l'ANCENCO, et ils ont même été à la tête pour organiser les pourparlers directs entre l'opposition, la majorité et la société civile. Ils étaient là pour chapeauter en fait cette pourparlers. Alors quand aujourd'hui on part des élections au mois de décembre 2018. Et quand ils commencent à lancer encore les appels pour protester ou saboter ces élections-là, alors on ne sait pas où on va. Vous, de la majorité, vous ignorez carrément l'importance des prêtres catholiques, des évêques qu'ils ont dans notre pays. Nous allons nous rappeler lors de la conférence souveraine nationale, ce sont les évêques tels qu'on les appelle, les sangos, qui ont pu peut-être mettre la barre très haut. Mais aujourd'hui, lorsque vous ignorez le rôle que l'Église catholique peut jouer
en République démocratique du Congo. Vous ne voyez pas que vous êtes en train d'aller vers le dérive? Monsieur Trésor Poutou, moi je ne comprends pas qu'est-ce que vous appelez ignorer les prêtres catholiques. Il me semble, depuis que je suis né, que les prêtres catholiques sont là pour les églises. Ils sont là pour prêcher la bonne nouvelle. Et nous, moi je suis né catholique. Mais ils jouent aussi des rôles politiques. Non. Ça, nous le savons très bien. Oui, depuis c'est... l'époque des Mobutu. Oui, c'est ce qu'ils se disent. Mais maintenant, ils doivent se déclarer politiciens. Comme ça, on sait que c'est nos adversaires politiques aussi. Il ne faut pas se cacher derrière ces soutanes ou... Des titres cardinaux au Messie l'abbé, tout ça, pour commencer à parler de la politique. Il faut enlever cette voile-là, il faut dire clairement à la population congolaise que nous, on fait la politique. Et nous, les politiciens, on saura qu'on a aussi de partenaires politiques chez les prêtres catholiques. Voilà ce que je peux répondre pour ça. Parlons un peu de manifestations. La RD Congo, c'est un pays démocratique. Exactement. Le marche, c'est tout à fait légal. Constitutionnel même. Constitutionnel, vous venez de le souligner. Mais lorsqu'il y a des marches, et puis la répression des policiers, et puis après, nous comptons des morts, vous ne voyez pas que nous, la RD Congo, on va dire peut-être régime de Kabila, c'est un régime de la dictature, ou bien c'est un régime vraiment qui prône la démocratie. Je vais vous répondre tout simplement que la RD Congo, anciennement Zaïre, on n'avait pas la démocratie. À l'époque de Mobutu, il y avait la dictature. Et là, on peut clairement voir ça et ces différences entre la République démocratique du Congo et l'ex-Zaïre. Alors, quand vous me parlez de la répression, c'est ce que tout le monde dit. Les manifestations au Congo, c'est constitutionnel, comme je venais de souligner tout à l'heure, c'est constitutionnel. Mais ce qu'on semble oublier au Congo, c'est qu'on ne peut pas faire des manifestations sans informer l'autorité provinciale pour que l'autorité provinciale puisse sécuriser ces manifestations-là. Alors, quand une personne vient, ou un groupe de gens, comme on a vu le 25 décembre, d'abord, moi, je déplore le mort. Un mort de plus, c'est vraiment pas normal. Je déplore. Et en même temps, je condamne ces responsables des organisations de ces manifestations parce qu'ils ne donnent pas... Vous condamnez les catholiques, hein? Non, je condamne parce qu'il n'y a pas de nom à ces gens, en fait, les gens qui ont organisé. Vous allez poser la question au cardinal Monsengo, il va vous dire que non, ce n'est pas lui, mais c'est une organisation dans l'Église catholique qui a organisé ces manifestations. Mais quand vous allez demander la permission, bien quand vous allez informer l'autorité provinciale de la ville, on demande à ces organisateurs de donner le départ, d'où vous allez partir et d'où vous allez chiter. Mais quand vous ne donnez pas, comment voulez-vous que l'autorité provinciale puisse mobiliser les forces de l'ordre pour qu'on puisse encadrer ces manifestations? C'est ainsi que la police, à la place de sécuriser, de protéger la population, ils commencent à tuer. Ça, vous êtes pour ou contre? Alors, je suis tout à fait contre. Et je ne pense pas que la police a tiré par hasard. On déplore les deux morts qui ont été... Ouais. Aussi à la personne des Rossi Mukendi. Mukendi. Nous déplorons un jeune comme lui puisse être séché comme ça à son âge. Nous déplorons et puis nous ne trouvons pas ça normal. Mais par contre, la police n'est pas là pour répression ou pour puisse réprimander les manifestants. La police est là pour protéger les manifestants, ceux qui sont là pour faire les manifestations, et ce n'est pas tout le monde qui fait la manifestation. Il y a d'autres personnes le jour-là. Il y a des kimbanguistes, il y a des protestants. C'était un dimanche. Il y a des autres aussi qui partaient aussi vaquer à leurs occupations, aller prier aussi dans leurs églises respectives. Mais la police était là pour sécuriser tout le monde. La police n'était pas là pour répressionner. Elle était là pour assurer la sécurité
de... Mais excusez-moi de vous interrompre un peu, monsieur Tchingawili, mais si il faut peut-être réaliser un peu la mort de Rossi Mukendi que nous déplorons, et que tout le monde déplore, que vous-même vous venez de déplorer aussi, devant l'église, le manifestant sans armes, seulement avec des chansons, seulement avec des cris, des prières, tout et tout. Mais qu'est-ce qui a poussé la police de lancer des balles comme ça, des balles réelles qu'il a tuées? Et de votre côté de la majorité, vous dites que c'était des balles en caoutchouc. Comment pouvez-vous réagir par rapport à ça? Vous savez, moi, je ne suis pas policier d'abord, hein, pour commencer. Mm-hmm. Moi, je fais de la politique. Mm-hmm. Je n'ai pas fait la formation militaire. Mm-hmm. Pour essayer de commencer à contredire si la police donne le rapport tel qu'il a donné. J'estime que le colonel Mwanamputu, qui est le porte-parole de la police congolaise, a la formation adéquate pour qu'il puisse répondre en fait, aux questions qu'on l'a posées. Mm-hmm. Parce que les rapports qu'il a donnés, c'est ce qui a été dit. Mm-hmm. Alors, moi, je suis qui pour contredire la personne qui est habilitée à donner les détails? Moi, je sais. Bah alors, on ne va pas s'éterniser là-dessus. Parlons un peu de ces élections que tout le monde attend impatiemment. Malheureusement, du côté de l'opposition, c'est une élection qui n'a pas de crédit. Colonel Corneille Nanga, qui est le président de la CENI, a dit que nous allons passer au vote électronique. Mais c'est comme si ça n'a pas beaucoup de crédit. Quelle impression faites-vous? Oui, mais ça, c'est notre spécialité. En fait, ça, c'est des choses qui ne m'impressionnent plus. Quand il y a des déclarations incendiaires qui refusent tout, qui rejettent tout, ça, c'est notre spécialité. N'oubliez pas qu'on est Congolais. Alors, chez nous, il n'y a pas quelque chose qui s'accepte facilement. Il y a toujours des protestations, il y a toujours des rejets. Et je vais vous donner un exemple de nos amis de l'opposition. Ils ont rejeté catégoriquement les élections à venir. Ils ont même proposé une transition sans Kabila. Mais je t'ai dit, aujourd'hui... Est-il possible d'avoir une transition sans Kabila? Oui, je ne sais pas où ils ont eu cette rêve de mauvais goût, mais avec quel article constitutionnel, avec quel acte juridique on peut faire les transitions sans président de la République, alors que vous le savez très bien que la Constitution dit avant que Kabila parte, il faut qu'il y ait un président. Président, voilà. Nouveau président élu, effectif. Ouais. Et puis voilà. Donc ça, c'était un rêve de mauvais goût qu'ils ont essayé de tenter, mais ce n'était pas constitutionnel et ça a échoué. Avec ce courant des contestations, croyez-vous que arrivé au mois de décembre 2018 aura-t-il vraiment des élections? Dieu merci, Félix Tshilombo a accepté. Il est d'abord candidat, je ne sais pas si vous le savez. Il a annoncé sa candidature. On voit aussi Moïse Katumbi en Afrique du Sud. Il a annoncé aussi sa candidature. Lui-même, il a annoncé depuis longtemps. J'essaie de vous dire que les opposants de notre pays se comportent toujours ainsi. En 2011, le fait Félix Tshisekedi, et non, Étienne Tshisekedi Lumumba, jusqu'à la dernière minute, il rejetait toujours les élections. Il s'est rétracté à la dernière minute pour dire que non, il y aura les élections. Voilà, aujourd'hui, depuis le début de l'année, vous savez tout ce qui a été dit par notre opposition. Mais aujourd'hui, ça commence à changer de langage. Tout le monde commence à dire qu'il y aura des élections au mois de décembre. Et nous les savions depuis longtemps. Quand notre autorité morale, à la personne du chef de l'État, le camarade Joseph Kabila Kabange, avait dit qu'il y aura des élections et qu'il fera tout pour qu'il y ait des élections, nous, on a commencé à s'atteler et puis nous a demandé de se préparer. Ça fait très longtemps qu'on a commencé à se préparer et puis on sait qu'on va rafler tous les postes. En fait, voilà. En 2016, votre camarade, notre président de la République du Congo, il n'a pas pu organiser les élections. Croyez-vous qu'en 2018, il y aura-t-il les élections? Ce qui a été évoqué en 2016 pour qu'il n'y ait pas les élections, on ne va plus revenir aux mêmes choses. Alors vous oubliez les tâches, parce que le président de la République, ce n'est pas lui qui organise les élections. Il y a
Mais c'est lui le garant de la nation. Il est quand garant, même. Mais c'est une institution indépendante qu'on appelle CENI, qui organise les élections. Ouais. Aujourd'hui, nous tous et les présidents de la République a applaudi parce que la CENI a donné le calendrier et il y a les certitudes maintenant qu'il y a des élections au mois de décembre. Voilà. Le président de la République, c'est une institution. C'est une institution et il ne peut pas aller affreindre à l'autre institution qui aurait des élections ou qui aura pas. Je suis tout à fait d'accord avec vous. La CENI est une institution indépendante. C'est la CENI qui va organiser les élections, mais la CENI doit être dotée aussi des moyens, des outils qui vont venir du régime en place. Justement, c'est les gouvernements. Et les gouvernements s'attellent. C'est lui qui chapeaute les gouvernements, c'est le président de la République. Effectivement, lui, il a donné la ligne droite qu'il y aurait des élections. Il a ordonné au gouvernement de financer la CENI, afin qu'il n'y ait pas de problème ou des raisons qui peut pousser qu'il n'y ait plus les élections en décembre 2018. Vous venez de dire que vous êtes déjà prêt, vous avez toujours été prêt pour les élections futures. Si je vous pose maintenant une question, les dauphins de Joseph Kabila Kabange, c'est qui dans votre cas? Jusque là, c'est toujours c'est un mystère. Alors, on n'arrive pas à comprendre. Vous venez de dire qu'il y a Félix Tshisekedi qui vient de se prononcer, il y a Moïse Katumbi qui s'est prononcé, mais jusque là, de votre côté, la majorité, on ne voit personne à qui on peut peut-être compter qui va succéder ou remplacer, qui va se présenter comme candidat pour le compte de la majorité. Ça reste un mystère. Ce n'est pas constitutionnel d'abord pour dire que il faut présenter votre dauphin. D'abord, nous ne sommes pas dans une monarchie. Nous ne sommes pas dans un royaume. Mm-hmm. Nous sommes une république. Mm-hmm. Nous n'allons pas présenter un dauphin, mais nous allons présenter un successeur. D'accord. Alors, pour nous, c'est notre indépendance. Oui. Je vous informe qu'on aura, notre conclave au mois de juin. Ok. Et après, à la sortie de cette conclave, vous serez le successeur de notre camarade Joseph Kabila Kabange. Est-ce qu'il n'y a pas à craindre concernant la modification de la constitution, concernant de maintien au pouvoir de Joseph Kabila Kabange, de s'éterniser? Ça, c'est les préjugés. Parce qu'il y a des gens, qui voient ça. Ils ne vont pas manquer, ces gens-là, mais c'est les préjugés. On voit ce qui se passe à la Chine, au Congo-Brazzaville, tout et tout. Est-ce que ça ne sera pas le cas? C'est les préjugés. RDC. C'est les préjugés. J'ai même pas de réponse à donner pour ça, parce qu'il n'y a pas des éléments qui paient aujourd'hui à affirmer qu'il y aura changement des constitutions, ou bien on va éterniser notre chef de l'État éternellement au pouvoir. Non, il n'y a pas des éléments. Chez nous, c'est que je condamne, et puis c'est déplorable. Chez nous, c'est un problème. On a un problème de préjugés. On a un problème, on avance des choses à la base des éléments qui ne sont pas fondés. Ah, ça, c'est regrettable. C'est quelque chose que j'ai toujours déploré et je ne sais pas quel jour on va changer. Voilà, c'est ce que je peux répondre pour ça. Est-ce que Moïse Katumbi Tshabwe fait toujours peur la majorité? C'est moribond, Moïse Katumbi. Attends, je vais vous répondre clairement. Quelqu'un qui fait peur à la majorité, cette personne-là, il est accusé, il a un problème avec la justice congolaise. Alors, je ne sais pas. Une personne comme ça peut faire peur à la majorité. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce qu'il se déclare candidat à l'extérieur. Au lieu de venir au Congo pour se déclarer candidat, au lieu de venir au Congo pour affronter la justice congolaise, mais il est peureux. Pour moi, je trouve que c'est une personne qui ne peut pas faire peur à la majorité présidentielle. C'est un faux débat. Ça bouge aussi au sein de la majorité. Cette alliance avec le PALU, semble-t-il que c'est vraiment au point de la séparation. Avez-vous une réaction par rapport à ça? Oui, on a appris. Rappelez-vous que le PALU vous a apporté une très grande force aux élections de 2011. Oui, oui, si aujourd'hui, le PALU décide de partir, ça va coûter cher au sein de la majorité. Hein? Effectivement, je peux dire oui, tout comme je peux dire non, mais avant tout, nous respectons le PALU parce que c'est un partenaire important pour notre plateforme. Ouais. Mais après, il y a des déclarations. Vous savez, on a suivi ces déclarations à la télé aussi.
On ne sait pas si ces déclarations sont crédibles ou pas. Les jours à venir vont nous donner raison. Pour le moment, je n'ai pas trop de commentaires à faire là-dessus, pour cette affaire. Monsieur Willy Tunga, je voudrais vous poser une question. Vous pouvez ou ne pas répondre, hein, mais il y a une histoire que nous avons tous suivie aux réseaux sociaux, ce qui s'est passé au sein de la primature avec... le collaborateur, si je peux dire, des sortes des premiers ministres. Il y a eu de bagarres, choses comme ça. Ça n'a jamais été fait, même à l'époque. Mm-hmm. Est-ce que vous faites quelle réaction par rapport à tout ça quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui à la primature? C'est vraiment désolant, c'est la honte même de ces gouvernements. Vous pouvez dire quoi là-dessus? Mais si je vous réponds le contraire, ça ne sera pas correct. C'est la honte et je maintiens, je confirme. Mm. C'est là, tout simplement dire qu'il y a des gens qui sont au sommet du gouvernement. Mm. Je peux même dire que c'est un problème d'expérience. Vous savez, si vous n'avez pas travaillé dans votre vie, durant 36 ans, et moi je condamne, durant 36 ans, on voit même un manque d'expérience. Parce qu'on ne peut pas accepter et tolérer. D'ailleurs, le chef de l'État a donné l'ordre d'arrêter toute personne qui était impliquée dans ces bagarres. Mm-hmm. Et ça a été fait. Voilà. Je condamne ça. Mais Bruno Tshibala, quand il était... quand il a travaillé avec Tshion Tshisekedi wa Mulumba, vous avez dit que voilà, il a l'expérience, vous l'avez débauché pour qu'il puisse prendre la primature. Mais aujourd'hui, voir ça, vous le rejetez seulement comme ça? Non, on condamne les faits. On ne rejette pas la personne de Bruno Tshibala. C'est des choses différentes. Ce qui s'est passé à la primature, ça ne s'est jamais fait dans notre pays. Et c'est quelque chose, si je dis le contraire, je ne suis pas un homme politique des convictions. Je dois te condamner parce que ça se fait jamais, ça se fait jamais, ça se fait jamais. Et Bruno Tshibala, jusqu'à la preuve du contraire, il est de l'opposition. On peut tout dire, on a débauché ou quoi que ce soit, mais Bruno Tshibala est de l'UDPS. Il n'y a personne qui va me contredire sur ce point. Il a été déjà révoqué de l'UDPS, hein, aussi longtemps qu'il a accepté de prendre la primature. Or, les mots d'ordre étaient qu'il a fallu que ce soit Félix Tshisekedi. Alors, ben vous dites vous qu'il savez, est toujours à l'UDPS. Mais vous savez que je ne peux pas entrer dans ces discussions parce qu'on doit d'abord chercher à savoir sur quelle base juridique il a été révoqué. Et je ne fais pas le porte-parole de l'UDPS ici. On sait tous, dans nos partis respectifs, comment on peut révoquer quelqu'un. Et voilà, quelle est l'instance juridique de cette partie qui peut révoquer. Nous tous, on sait comment il a été révoqué. Alors, si j'ai là, je ne vais pas continuer trop. Monsieur Willy Tunga, s'il faut faire le bilan de ces gouvernements de Bruno Tshibala, vous pouvez dire quoi là-dessus? Est-ce que ces gouvernements ont apporté un plus pour l'avancée de notre pays ou bien ça a encore régressé? Moi, je vais dire que c'est politique et c'est positif. Pourquoi je dis c'est positif? Parce que le gouvernement Tshibala, première attribution ou première demande qu'on l'a fait, c'était d'organiser les élections. Oui. Alors nous tous, on sait qu'il y aura des élections le 23 décembre 2018. Pour moi, c'est plus ou moins positif. C'est vrai que le social, ce n'est pas encore ça. C'est pas ce qu'on a voulu pour qu'il fasse pour la population congolaise. Parce que je signale que la population congolaise souffre. Alors, c'est vrai parce que l'image majeure de notre pays, c'est d'abord le social. Hein. Aussi oui, longtemps que le social n'avance pas, le social ne marche pas, il y aura toujours des points négatifs. Hein. C'est vrai, de ces côtés-là, il n'a pas fait grand-chose, mais je peux quand même retenir quelque chose. Vous savez, les taux d'inflation dans notre pays, ça grimpe jusqu'à 1800 $1. Mais aujourd'hui, on est à 1400. Donc, il a quand même travaillé, il a quand même fait des efforts. Mais ce n'est pas ce qu'on a voulu qu'il fasse. Il aurait beaucoup fait, mais voilà, la circonstance et la conjoncture de notre pays ne permet pas qu'il puisse faire plus ce qu'il a fait. Lorsque vous entendez que la République démocratique du Congo est classée aujourd'hui parmi le dernier pays le plus pauvre du monde, avec tout ce qu'on a comme richesse, vous, en tant qu'homme politique,
Ça vous dit quoi? Vous pouvez me dire dans quelle classification il a été classé, dernier pays? Ce sont parmi les derniers pays les plus pauvres du monde, selon les études des Nations Unies, de l'Organisation Mondiale. Ok. Vous savez, les études des Nations Unies, ils les font quand ça leur plaît pour la République démocratique du Congo. Quand le pouvoir les complique, ils font des déclarations comme ça. Mais nulle part, ce n'est pas crédible, tout ce qu'ils ont fait là. Ce n'est pas vraiment crédible. Ouais. Moi, je voyage un peu partout. Vous venez de souligner que j'étais aux États-Unis, j'étais au Congo, et je vais au Cameroun bientôt. Je vois quand même d'autres pays, comment ils vivent. Je connais quand même mon pays. Il faut arrêter de mettre notre pays à la dernière place dans le monde. C'est faux et archi-faux. Monsieur Wulichinga, nous encheminons petit à petit vers la fin de notre entretien. Parlons un peu de votre fondation qui porte aussi votre nom. Nous avons vu les images. Vous avez fait un don à un hôpital de Kitambo. Où est-ce que vous trouvez tous ces argents pour faire ces dons-là? C'est toujours l'amour du pays. Et puis, vous faites comment, monsieur? Oui. Non, c'est toujours l'amour du pays. C'est toujours avoir un bon cœur aussi. Ouais. Et avec le peu qu'on gagne, je vous ai toujours dit que pour le moment, on n'a pas de partenaires. Mais Dieu merci, on commence à avoir des partenaires. Et là, on a un projet pour construire un orphelinat à Kinkolé et un centre de santé à Kinkolé. Le financement va venir d'ailleurs. Et là, on est convaincu maintenant qu'on va travailler avec des partenaires crédibles, solides, et la population congolaise va compter avec nous, avec notre fondation, comme d'habitude. Vous êtes toujours candidat à la députation provinciale? Je suis toujours candidat à la députation provinciale et je suis toujours candidat à Kitambo. Et je sais que c'est moi qui va rafler cette poste. Parce que mon Dieu, parce que je suis chrétien, mon Dieu m'a dit que je serai candidat député provincial à Kitambo. Voilà. Merci, M. Wulichinga. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre entretien. Je vous laisse adresser un message de la fin, un message d'espoir pour le jeune Congolais, pour le jeune qui vous suivent de partout. Alors, pour mon dernier message, je vais adresser à la jeunesse congolaise, parce que moi, je suis jeune. Alors, j'aimerais que la jeunesse congolaise puisse s'atteler pour les élections à venir. Il y aura bel et bien les élections le 23 décembre 2018, dont je suis candidat. Le message que je vais adresser maintenant, c'est à la population de Kitambo. Et à Kitambo, je suis connu. Vous, la population de Kitambo, je vous exhorte, je vous demande, parce que vous êtes, c'est vous qui allez nous voter, je vous demande de me voter parce que vous ne serez pas déçus. Vous connaissez mes actions que je fais avec ma fondation. Et une fois arrivé aux responsabilités de la République, je vais faire encore davantage. Voilà tout ce que je peux vous dire. Et je peux aussi que vous souhaiter des bonnes années pour les gens que je n'ai pas vus jusqu'à présent. Pour ceux-là qui ne croient pas aux élections du 23 décembre 2018, vous pouvez leur dire quoi? Il y aura des élections. Il y aura bel et bien des élections. Que tout le monde se prépare, que tout le monde s'y attelle, que tout le monde soit prêt. Il y aura des élections le 23 décembre 2018. Merci. Ainsi s'achève cet entretien. Merci à vous tous qui étaient connectés pour suivre cette émission. Merci énormément à DEMAC UVP qui assure la réalisation de cette émission. Bien sûr, évidemment, la production. Moi, votre humble serviteur Trésor Poudi, je vous dis au revoir et on se retrouve très très prochainement pour un nouveau numéro de cette grande émission HTV Trésor Poudi. Portez-vous bien et surtout restez connectés sur Canal Impact HTV. Merci.